Estartel, je vois plus la poupée. Et arrête de sourire comme ça bêtement. Ne souris plus. Avec ton appareil dentaire, ça fait nerfler, je vois plus rien. Mais qu'il est con, ce gamin, c'est une punition, hein. Tu as baissé ta tête, oui. Tu as baissé ta tête. Et ne te penche pas. Ne te penche pas comme ça au-dessus de l'eau, c'est dangereux. Ne te penche pas au-dessus de l'eau, je te dis. Parce que si tu laisses tomber ton appareil dentaire dans l'eau qui est emporté par le courant, il va aller se bloquer dans une hélice, on est ici jusqu'à demain matin. Tu te fais exprès ou quoi? Mais qu'il est con, ce gamin. On est dedans, hein! Ça, c'est la meilleure, ça. 5 heures d'autoroute, 2 heures de queue pour être bloqué dans les poupées. Ça, c'est encore de ta faute, ça. Monte les dents, monte les dents. Oh, c'est bien la première fois. Et ne réplique pas, hein, t'en veux une, elle s'en réclame. Regarde au moins, profite. Si on est venu, c'est pour toi. Regarde comme c'est beau. T'as compris ce que ça voulait dire, au moins, tout ça? Ben, ça veut dire, regarde, que les petits noirs, les petits jaunes, les petits adoustanais, ben, qu'il n'a pas de différence, que c'est tout pareil. Pour nous, c'est tout la même race. Et moi, ça que c'est les... Regarde ça, chou. Regarde, chou, chou. Je vais zoomer dedans, tu verras la maison. Regarde ça. Il y en a qui ont même fait... Ah, ils ont même fait brûler des poupées, là-bas. Il y en a qui ne respectent rien. C'est tout calciné. Ah non, c'est l'Irak. Oh! Que c'est bien fait! Ça, pour ça, les Américains, ils sont forts, hein. Tu peux venir chaque année, c'est jamais la même chose. Et regarde à côté, tu vois Chou à côté? Il n'a plus de poupée du tout, tout est cassé. Attends, attends, attends. Pakistan. Oh, que c'est bien fait! Attends! Envoyez-nous des couvertures, que c'est bien fait! Ça, c'est ça que j'aime bien chez les Américains, c'est des grands sensibles, hein. C'est ça. Je parie que si on continue plus loin, ils ont mis les poupées dans l'eau pour faire le tsunami. C'est bien avec les Américains parce qu'ils te distraient, en même temps ils te sensibilisent. Attends, 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 attends! Je n'ai même pas remarqué, tu parles d'un dépaysement. On est tombé en panne devant la Belgique ici. C'est incroyable qu'ils aient mis la Belgique, hein? Dans une attraction qui est censée représenter la fraternité entre les peuples, ils ont quand même mis la Belgique, c'est bizarre. C'est qu'ils nous connaissent mal. Ou alors c'est de l'humour de mauvais goût, hein? Et avoir la gueule qu'ils ont faite à nos poupées, à mon avis, c'est de l'humour, mais... Parce qu'ils ont été chercher leur modèle pour faire des laits de poupées, pareil. Il ah, y a les poupées qui sont trompées d'attraction, c'est pas la maison hantée, c'est... Ou alors ils ont oublié de démonter Halloween, c'est pas possible, ils devraient faire attention, il y a des gosses quand même. Attends, attends, chou, attends, attends, attends. Je vais... Chou, chou, tu ne me croiras pas, je vais zoomer dedans, mais tellement que c'est laid. Il y a une petite poupée, là, un petit gamin belge, je serais curieux de voir la gueule des parents qui ont prêté leur gamin pour servir de modèle. Jordan, baisse ta tête! Tu ne fais jamais bien! Et ne mets pas ta main dans l'eau! Ne mets pas ta main dans l'eau, c'est dégueulasse! Il y a peut-être des gens qui crachent là-dedans! Non, j'exagère pas! J'ai craché, moi! Mais si j'ai craché, je parie qu'il y a bien des saligots de mal élevés qui en fait tout autant, les gens sont tellement mal élevés! Regarde-moi ça, ta manche toute mouillée! Ta manche est toute mouillée! T'es mouillé jusque-là! T'es mouillé jusque-là! On dirait Kubla! Bon, ben maintenant que t'as ta manche toute mouillée, rends-toi utile, essaye de ramasser les pièces qui sont dans le fond! Ramasse les pièces qui sont... De quoi ça porte bonheur? Ben non, ça ne porte pas bonheur. Que les gens sont cons. C'est pas à ceux qui les jettent que ça porte bonheur, c'est à ceux qui les ramassent. Je peux te dire que moi, je serais SDF, je ne perds plus mon temps à la rue Neuve. Hein. Je viens ici, une paire de bottes, des gants de vaisselle, j'ai gagné ma journée. Hein. Allez, 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 allez. Bon, tu ramasses, toi. Hé, hey, oh, tu donnes à papa, hein? Oh, c'est moi qui ai investi à l'entrée, hein? Mais qu'il est con, ce gamin, tu le fais exprès ou quoi? T'as des pièces de 2 euros dans tous les coins, qu'est-ce qu'il ramasse, l'autre? 5 pesetas. Mais t'es con! Mais ça ne vaut plus rien, ça! Même quand ça valait quelque chose, ça ne valait rien. C'était tellement léger comme monnaie que je suis même étonné que ça ait pu couler, tiens. L'espagnol, porte-bonheur, mais bonheur à bon marché, les Espagnols. Je peux dire que quand on va repasser devant le tableau flamenco, je vais leur envoyer dans la gueule leur pesetas. Qu'est-ce qu'il a, toi? Ça ne te plaît pas? Quoi? C'est espagnol! Rentrez chez vous! Quoi? Je suis belge, monsieur. Oui, alors, je suis chez moi ici, ça va? Je suis européen, je suis chez moi partout. Dégage! Par favor! Hé! Hey, un peu de retenue, hein? Un peu de respect pour cet endroit. N'oubliez pas que nous sommes ici dans le temple de la fraternité d'entre les peuples. Respectez au moins ça! Hé! Hey, un ton plus bas, hein? Je vous en prie, devant un enfant! Devant un enfant! Bon, on va y aller, ouais! Oh!
que les Playmobil, ça va bien un moment, mais là, ça commence à me taper sur le système, hein. Bon, donne-moi le sac à dos, toi. Donne-moi le sac à dos. Donne-moi le sac à dos. Ouais, ça va, c'est moi qui l'ai. Oh, 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 ça va. Ça va. Hé, hey, hey, si t'en veux, j'ai des stocks, hein. Ça va, fais attention, hein. Bon, le plan qu'on s'organise. Le plan. Il y a dedans le plan. Il y a dedans le plan. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Jordan? Regarde-moi ça, c'est quoi? Oui, ton carnet d'autographe. Je le vois bien, ton carnet d'autographe. Il est tout neuf. On vient de l'acheter. Tu n'as aucun soin de tes affaires. Quoi, c'est pas toi? C'est qui alors? Capitaine Crochet. Le capitaine Crochet. On t'achète un nouveau carnet, qu'est-ce que tu demandes de signer au capitaine Crochet? Tu fais exprès ou quoi? Oui, il est droitier, je m'en fous qu'il soit droitier, c'est pas signé de la main gauche. Il me semble qu'il prend son rôle un petit peu trop au sérieux, le capitaine Crochet. Hein? Et ça, c'est quoi, ça? Oui, je sais le dire comme toi, Donald. Hein, Donald, tu n'écoutes rien de ce qu'on dit, Jordan. On t'avait dit que tu pouvais demander un autographe à n'importe qui, mais pas à Donald. Et la grippe aviaire, mon vieux. Moi, je te préviens, tu ne remontes pas dans la voiture comme ça, ça va? On désinfecte avant, hein? On te frictionne l'eau de Javel, mais on fait quelque chose. Et tu fais le trajet dans le coffre, hein? Ça va? Et arrivé en Belgique, je te dénonce aux autorités sanitaires. Moi qui le con, ce gamin! Faut dire que les adultes aussi, hein? Même les parents, ils sont cons. J'ai même vu les parents. Mickey, un autographe. Machin, un autographe. Tu me diras l'intérêt d'avoir l'autographe d'un réfugié albanais en situation irrégulière en France. Ben évidemment, qu'est-ce que tu crois qu'ils mettent là-dedans? C'est de la main-d'œuvre à bon marché, hein? C'est de la petite main-d'œuvre qui paye comme ça trois fois rien, évidemment, c'est tous des étrangers. Et les personnages, s'ils ne parlent pas, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, hein? C'est parce qu'ils ne savent pas, ils connaissent pas la langue. Tout à l'heure, j'étais derrière Tigrou, j'ai crié Youssouf, il s'est retourné. C'est pour ça que je peux te dire que le capitaine Crochet, quand je vais le croiser tout à l'heure, il va m'entendre parler, le Mohamed, là, hein? Il croyait que c'était des vrais, lui. T'es tellement con, hein? T'es naïf, hein, toi, hein? À 3 ans, si je ne lui dis pas pour Saint-Nicolas, à 6 ans, il y croit encore, lui. Alors... Non, c'était pas trop tôt. Bien sûr que non, que c'était pas trop tôt. Et après, on fait des générations de naïfs à cause de ça. Voilà, en Belgique, on a fait que des générations de naïfs. Il n'y a qu'à voir aux élections le nombre de voix de préférence qu'arrive encore à faire Elio Di Rupo, ça te donne une idée de ceux qui croient encore au Père Noël. Évidemment, toi. Bon, on va y aller, là. Je te préviens que quand on ressort d'ici, on s'organise. Je sais pas où est le plan, mais on s'organise. On a perdu trop de temps. Alors, quand on sort d'ici, toi, tu fais Blanche-Neige, toi, tu fais Pinocchio, et moi, je fais Space Mountain, là, le train de la mine et le marché à Jumanji, Indiana Jones. Ça va? Non, j'y vais tout seul. Vous ne venez pas avec moi. Non, parce que dans les films, je dépasse plus vite quand je suis tout seul que quand on est à 3. Voilà, c'est tout. Eh bien, je filmerai. Tu verras la cassette à la maison. Hein, ça va, hein? Et si je le fais, c'est pour toi. Tu n'es jamais content, Jordan. Jamais. Jamais. On sacrifie et toi, non. Ah, non. Tu crois que quand j'avais ton âge, que mes parents m'ont emmené dans des parcs d'attractions? Tu crois que j'allais dans des parcs d'attractions? Ben non, mon vieux, j'allais à Walibi et puis c'est tout. Et j'aurais demandé un autographe au kangourou, il aurait mis mon carnet dans sa poche, il serait taillé avec. Hé, hey, hey. Tu n'es jamais content. Tu sais à quel âge j'ai vu la mer pour la première fois, moi? Tu sais à quel âge j'ai vu la mer pour la première fois? J'avais 2 ans, mon vieux. 2 ans, tu crois que je m'en souviens? Eh ben non, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a aucun souvenir à 2 ans, voilà. Mais ça, mes parents, ils s'en foutaient, hein? Ils avaient envie d'aller à la mer, ils me prenaient avec. Égoïste. Sans savoir si je m'en souviendrai, et on a été chaque année, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ce qui fait que tout ça s'est mélangé dans ma tête, je ne sais plus exactement quand j'ai eu le premier souvenir de la mer. Alors que toi, tu as quel âge? Oui, 9 ans, eh bien, t'as déjà été à la mer? Eh ben non, eh ben voilà, eh voilà. Pourquoi? Parce qu'on pense à toi, nous. C'est parce qu'on pense à toi, tu vois? Parce qu'au moins, quand tu verras la mer pour la première fois, quand tu auras, je ne sais pas, 16 ou 17 ans, eh bien, tu t'en souviendras. Et au moins, ce sera là. Parce que le plus important dans la vie, mais ça, tu ne comprends pas, toi, le plus important, c'est de se faire des souvenirs. Mais ça, toi, ça t'échappe, ça, évidemment. Hein? Ben, il est temps, hein? Bon, et on y retourne, hein? Et tu vas baisser ta tête, hein, ça va? Parce que si plus tard, tu n'as aucun bon souvenir d'enfance, tu n'auras qu'à t'en prendre qu'à toi-même.